Pour marquer les esprits, ce procès doit avoir toutes les apparences de la légalité. 15 jurés, donc. Mais tous sont des proches de Fouquier, Robespierre ou Hébert. Choisis parmi les solides de la Révolution, comme le président du tribunal, Herman. Messieurs les jurés, vous allez prêter serment d'examiner avec attention les charges portées contre Antoinette, veuve de Louis Capet. De n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. Et de vous décider, selon votre conscience, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre. Pardon, je suis désolée. Citoyen Ganet. Je le jure. Ganet, perruquier. Il se vante de ne voter que pour la mort. Je le jure. Chrétien, tenancier d'un bar républicain. Il fait voter dans sa section des motions extrêmes. Deux pistolets posés devant lui. Je le jure. Toumain, le seul juré venu de province, entreposeur de tabac et admirateur de Robespierre, à qui il doit beaucoup. Antonelle. Je le jure. Noble déclassé, ancien maire d'Arles. Il est le seul à avoir longuement hésité à accepter sa fonction de juré. Je le jure. Renaudin, maître luthier, ténor du club des Jacobins. Il est une créature de Robespierre pour qui il espionne volontiers. Je le jure. Tout comme ce menuisier qui signe toutes ses lettres, Trinchard, vrai républicain. Moi, Charles Léopold Nicolas, je le jure. Lumière, violoniste à l'Académie de musique, ancien secrétaire personnel de Fouquier et agent de renseignement de Robespierre. De Boisseau. Je le jure. Ciseleur sur bronze, un proche de Robespierre lui aussi. Baron. Je le jure. Chapelier, hébertiste convaincu et violemment athée. Souberbiel, médecin personnel de Robespierre et du tribunal. Il y dénonce les femmes qui se disent enceintes pour échapper à la guillotine. Fievé, négociant. Je le jure. Samba, peintre sur miniature. Je le jure. Cet hébertiste se fait appeler Samba et sans culotte. Devez. Je le jure. Maître charpentier. Et enfin, Bénard. Je le jure. Huissier de justice, hébertiste et profiteur qui vend pour son compte des biens qu'il a saisis. Il aura fallu moins d'une heure au juré pour délibérer. Je vais vous demander de répondre l'un après l'autre, clairement et à haute voix, à chacune des questions posées par l'accusation. Citoyen Ganet. Est-il constant qu'il ait existé des manœuvres et intelligences avec les puissances étrangères pour leur donner l'entrée du territoire français ? Oui. Aucun secret des délibérations. Oui. Dans la France de la Révolution, oui. Tout le monde sait qui a voté quoi. Oui. Oui. Alors qu'il condamne Marie-Antoinette, ces hommes ne savent pas encore que beaucoup d'entre eux vont bientôt mourir. Oui. L'opinion publique est versatile. Oui. Dans 9 mois, Nicolas sera guillotiné. Tout comme Lumière, oui. Des Boisseaux, oui. Et Bénard. Oui. Deuxième question. Antoinette Capet a-t-elle coopéré à ses manœuvres ? Citoyen Ganet. Oui. 10 mois plus tard, Ganet échappera de peu à la charrette le conduisant à la guillotine. Oui. Renaudin, lui, n'aura pas cette chance. Chrétien n'a plus que 9 ans à vivre. Oui. Condamné pour attentat contre Bonaparte, c'est la déportation qui l'achèvera. Troisième question. Est-il constant qu'il ait existé un complot tendant à allumer la guerre civile à l'intérieur de la République ? Oui. Quelques-uns trouveront le moyen de survivre. Oui. Toumain, retourné en Mayenne, dénoncera les hébertistes. Antonelle vieillira à Arles. Oui. Riche et persécuté par les royalistes. Tombé dans l'oubli, Baron. Oui. Fiévé. Oui. Devez. Oui. D'autres seront sauvés par leur habileté. Trinchard, jugé puis acquitté, oui. Se mettra sous la protection de Fouché, auquel il servira d'indique, tout comme Samba, oui. Qui deviendra l'un de ses peintres attitrés. Et enfin, oui. Le médecin de Robespierre,
sous Berbiel, le plus endurant. Il survivra à tous les régimes, révolution, directoire, empire, restauration, pour mourir de vieillesse à plus de 90 ans, rue Royale. Ils sont ces hommes qui ont jugé la reine. Faites entrer l'accusé. Antoinette, aux quatre questions posées par l'accusation, les jurés ont répondu oui à l'unanimité. En application de la loi, je requiers donc la peine capitale.